you know what I mean. Oriental poison. Oui, salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kiroa. Salut. Ou plutôt, Kiru Fight. Non, Kiru Fight, c'est le nom de la chaîne. Moi, je oui. suis Kiroa de la chaîne. Oui, 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 mais voilà, justement, c'est maintenant, t'es lié à cette chaîne, mec. Donc, Kiroa. Oh putain, lui, il est tombé, mais lui, il y en a un qui est mort, hein. Il y en a un qui est mort, là. Kiroa, ou pour ceux qui connaissent sa chaîne de karaté, Kiru Fight. Non, parce que, attention, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas ta chaîne. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas ta chaîne, Kiroa, hein. Attention, hein. Ah, ouais. Il y en a qui vont arriver de Kiru Fight, hein. C'est vrai. Mais c'est Kiroa de la chaîne Kiru Fight. Voilà, c'est Kiroa de la chaîne Kiru Fight. C'est comme si Jamy dans C'est pas sorcier. C'est comme si Jamy dans C'est pas sorcier, tu l'appelles. On est avec C'est pas sorcier. En tout cas, on se retrouve avec Kiroa de la chaîne Kiru Fight. C'est super. Voilà. Et je remercie également Star Fitness qui a accepté de nous prêter sa petite salle pour tourner cette petite vidéo. En tout cas, aujourd'hui, Kiroa, est-ce que tu voudrais dire un peu aux abonnés pourquoi on se retrouve? Mais juste avant, n'hésitez pas quand même à aller visiter sa chaîne, elle sera en description et le lien sera en tout premier. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Yes. Bref, aujourd'hui on va partir sur des techniques de jambes, donc des techniques des coups de pied, tout ça. Ouais, voilà, c'est dans l'esprit, exactement. Voilà, donc on va partir sur des techniques de jambes. Et sinon, moi, tu sais que je me démerde, donc ouais, je peux te suivre. Il se démerde très très bien, donc je vais monter crescendo, je vais voir jusqu'à où il peut me suivre, d'accord. Et pour chaque technique de jambes qu'on va faire, je vais expliquer derrière comment est-ce qu'on l'a fait. Voilà. Ça va être assez complet quand même. Donc si vous savez pas faire cette technique de jambes, que vous êtes un petit peu souple et que vous avez pas peur de tomber, ce tuto sera fait pour vous. Voilà. Première technique. C'est un middle kick. Mais bon, les boxeurs thaï vont encore, les puristes vont encore amener leur fraise. Donc on va appeler ça un bandal shaggy, comme c'est peu, personne peut rien dire. Une technique de taekwondo. La technique la plus simple, d'accord? Ouais. Ok, je lève le genou dans l'axe, je tourne la hanche d'appui et je frappe. Tu lèves, tu tournes, tu frappes. Exact. Voilà, c'est ça. C'est bon. Maintenant, on va passer niveau dessus, c'est la même chose, mais niveau tête. Okay. Je vais venir lever le genou. Je peux tourner comme ça pour un coup de pied niveau moyen. Je vais venir tourner comme ça. Voilà. En me laissant aller en arrière. Tu lèves. Pam. Ok, ouais. Vas-y. Ah, c'est bon. Mais juste, va moins vite et essaye de garder l'équilibre. Les bras écartent pas. Ouais, genre j'écarte pas les bras comme ça quoi. Ouais. Genre je peux. Allez, là c'est nickel, super. La technique d'après, c'est un petit peu plus difficile. Le coup de pied du cheval, voilà, c'est un de mes préférés. Exactement. On est devant la cible, on va venir tourner. On se met de dos à la cible, les fesses sur la cible. Et on va venir pousser avec la jambe. Et pousser avec le bras. Avec la jambe qui est derrière. Et le bras. Non, le bras, c'est le bras. Non, le bras, t'es obligé, moi je le fais sans le bras. D'accord, ouais, le bras c'est des fois c'est pour, ouais, pour faire un peu plus, pour non, être plus équilibré. Exactement. Et il faut regarder au-dessus de son épaule pour qu'on le fait. Donc je montre, on est là. C'est pas sûr que tu la touches, donc il faut bien lever. Voilà. Faut bien regarder derrière quand vous le faites en fait. À toi de jouer. Alors sans pas d'élan. Alors là, c'est pas le coup du cheval là. Là c'est le coup de l'âne en fait. Regarde. T'es gaucher? Ouais, je suis gaucher. Tu veux faire jambe gauche? Ouais. D'accord. Alors bah, je suis gaucher aussi. Mais comme ça. Ouais. La jambe gauche derrière. Ouais. Je tu tourne. Juste tourner. Ouais. Tu lèves. Et je frappe. D'accord. D'accord. Yes. Ah, j'ai vu, c'était mieux. Nickel. Bon, celui-là, je le valide. Une dernière fois. Oh, nickel. Tu vois, il était parfait. Celui-là, je valide. Coupé du cheval, il est validé. J'espère que vous avez compris comment on le fait. Il n'est pas très compliqué. En fait, mais pas. Mais c'est vraiment. Ça, vous tournez. Hop. Vous frappez comme ça derrière, en fait. C'est ça. Ensuite, coupé suivant. Ah. D'accord. Ok, on va faire ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah. Tu le laisses. Tu le laisses. Mais hey, je me bats en Yeezy Boost, ok? C'est pas tout le monde qui fait ça. Je suis en URH. Mais URH, c'est beaucoup mieux. Moi, ça glisse. Moi, c'est des chaussures de gay. 1, 2. 4. 1, 2, 3, 4. Ok. J'arrive pas à faire plus que 5. Et essaie de faire 6. Yes. On va passer sur le 360. Je sais pas ce que c'est de faire. 360? Non, je sais pas, je connais même pas. Alors en fait, je crois que 360, il y a une feinte, c'est ça dans l'affaire en fait.
Genre en fait t'arrives, tu fais semblant, non? T'es pas parasite encore. Enculé. Tu crois que t'arrives, tu tournes et en fait tu lèves ce pied pour faire une feinte et tu frappes avec l'autre, c'est ça? C'est même pas une feinte, c'est pour donner plus d'élan. D'accord, vas-y montre-moi du coup. La jambe qui frappe, c'est celle qui est devant cette fois. D'accord. Mais encore on regarde taekwondo, c'est-à-dire de profil. Et je vais venir tourner, encore une fois, pas de parasite. Cette jambe-là, je vais venir la lever. Et je vais tourner. D'accord? Jusqu'à arriver en face. Une fois que j'arrive en face de lui, j'envoie l'autre jambe. Et là. Tu vois? D'accord. Bien joué. Tu fais en un coup, main. Et. Comme ça? C'est bon, d'accord. Okay. C'est des reprises de volée. Exact. C'est bon. Et celui-là, c'est un des plus puissants puisque la main se déplace. Ah oui, moi je le sens. Hein. Tu le sens, hein? Je le sens, ça cogne dur. Est-ce que tu veux faire un dernier, le coup de pied Bruce Lee, c'est genre avec les deux jambes comme ça? Ouais. Tu arrives, celui-là, non? Ouais. Ok. Je pense qu'il faut peut-être mettre comme ça. Ah. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut lever une jambe et il faut limite placer l'autre ici. Ouais. Comme ça un peu. Alors, ouais, ouais. Yes. C'est ça. Ah, c'est ça, il arrive déjà en fait, donc. Ah, mais t'es coaché. Non. Fatigant. Bon bah voilà. Je pense que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout fatigant, on transpire pas du tout, tout va bien. Tout va. Très très bien. Bon bah voilà. Je suis fatigué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le fait est que j'y participe à 100% et non pas à 20%, vous a plu. Parce que bon. Ah ouais, il participe à 100%. Regardez, regardez, il sue, il fait pas semblant. Oh. Il transpire. On triche pas à nous. On triche pas à nous. Bon. Est-ce que t'as un truc à rajouter là? Non. Bon, moi j'ai un truc à rajouter. À la prochaine. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Elle est en description. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et j'espère que ce style de vidéo qui sort un tout petit peu de ma chambre vous plaît. Parce que bon, des fois vous ralouillez un peu parce que les vidéos sont ensemble. Bah voilà, ça se ressemble pas là. Ça fait du bien, non? Bon, sa chaîne est en description. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt. Ciao! You take my hand.